Et salut, c'est Black Fox. Bienvenue sur la chaîne et merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jeu événement de 2023 qui est Zelda Tears of the Kingdom. Donc, il est sorti ce vendredi. Donc, là, je vais faire une vidéo aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait tirer directement parce que je vous explique, on est sur PC, les gars. Et ouais, on n'est pas sur Switch. Donc, je l'ai pris sur Switch. Mais comme ça me saoule de jouer sur portable et que quand tu le mets sur une grosse télé et que tu veux jouer que ta télé a une bonne résolution. Eh ben, le jeu est moins beau, on apprécie moins. J'ai décidé de jouer sur l'émulateur. En fait, c'est un pote qui m'avait montré ça sur Breath of the Wild. Je l'avais fait sur Switch et lui me l'avait montré sur PC. On aurait dit carrément qu'on jouait sur une version Switch Pro ou Switch Next Gen. Et laisse tomber, 60 FPS, 4K, ray tracing et tout, enfin, il y avait tout. Et le jeu était magnifique parce que ça mettait en valeur la direction artistique. Donc là, je préfère faire ça pour celui-là. Voilà, tout simplement. Alors, les logiciels, je mettrai les liens dans la description. Alors, c'est pas illégal de ce que je vois en tout cas. Je vois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui jouent dessus. Et bon, il y a souvent pas Strike qui sont pourtant déclarés, enfin, doivent être déclarés pour YouTube, donc ils sont rémunérés et tout. Donc, c'est simple, les deux logiciels, c'est Yuzu et Ryujinx. Alors, de toute façon, je mettrai les liens en description. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez un petit tuto pour savoir comment on configure ça. Moi, j'ai mis ma config de mon PC dans la description et ça tourne plutôt bien. De toute façon, si la vidéo est là, c'est que l'émulation s'est bien passée. Avant de commencer le jeu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne toujours la force. Je ferai pas d'espèce sur ce jeu, de toute façon, il y a trop d'heures de jeu, mais je ferai peut-être sûrement des petites astuces, des petits tutos, comme d'hab. Voilà. Sur ce, on va pas parler plus longtemps, on va commencer le jeu que j'attends depuis 6 ans. Allez, à toutes. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc on se retrouve, c'est la suite directe de Breath of the Wild, donc c'est juste après la fin. Ouais, j'avais... Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé trop de trailers, etc. Mais... Ça avait l'air beaucoup plus sombre. Et de ce que j'ai entendu dire, il a l'air beaucoup plus dur que Breath of the Wild, beaucoup plus punitif. Et même, j'ai l'impression qu'ils vont même perdre apparemment les petits jeunes là, parce que les énigmes sont hardcore. De toute façon, on verra. Allez, c'est parti. Link est toujours muet. Je pense qu'on va devoir revenir ici du coup. Hein. Je pense que, vu qu'on pouvait pas tout voir là, je pense qu'on reviendra ici vers la fin du jeu quand on comprendra une grosse révélation de ouf. Je le sens. Et voilà. L'ultime espoir de Raoru.
déçoit beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Et on est à poil. Voilà, on a tout perdu. À part on a un super tatouage. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Et voilà. Bah, vous avez vu, ça tourne plutôt bien sur l'émulateur. Hein. Après, en même temps, c'est un jeu Switch, donc c'est pas trop dur. Ok, une Link aux cheveux longs, stylé. La VF, elle est bien. Hein. Enfin, j'ai l'impression, de toute façon, les jeux en ce moment, toutes les VF sont bien. Oh là là, même cette épée là, l'épée de légende quoi, putain. J'avais tellement galéré à la voir, à la trouver là. Oh là là. Les petits détails. Comment on fait un saut de très haut, vous avez vu? Ah, les pensées à tous ces gens-là. Pour aller partout. C'est Zelda. Il a peur de rien. Oh la classe. Oh là là là. Ben voilà. Faut qu'il fasse une chuche pro, une nouvelle génération. C'est. Bon, le jeu est beau, hein, mais c'est dommage, quoi. Avec un peu plus de puissance, vous imaginez ça sur une console next-gen? Ça soit au début pour prendre de la vis et des pommes. Un premier ennemi. Oh, il n'a pas perdu là-bas. Putain, j'ai rien. Contraint. Tout est moyen. Ah oui, ils sont vifs, les gars. Et boum. Qui a dit que j'ai été difficile? Oh, il a l'air, t'es bâtard. Okay.
Ok. Chaud. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoul. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Oh là là, ces bruitages. Ah ok, d'accord. Ah, la physique, elle est ouf, hein. Comme d'hab. Ok. Ah ouais, ils ont fait un truc de ouf, là. Et pour décoller, tu fais ça? Oh là là, c'est tellement bien pensé. Ok. Tadam! Ok. Bon, ça casse un peu le rythme quand même. Après, je pense que une fois qu'on s'y fait. Ma première fabrication. Ah, vite! Trop stylé. Oh là 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 là. Pff. On va retourner où on était tout à l'heure, vite fait. Ah, le jeu va être ouf. Ça se sent, mais. Et voilà. Et là, on peut faire notre voyage pour aller où on voulait aller tout à l'heure. Bon, on se fait ces petites découvertes et après on va stopper là de toute façon. Est-ce que je pourrais monter dessus? C'est ça la question. Il va falloir faire vite. Ok. Et let's go. Dans la brume. Il va me faire défoncer. J'aurais dû sauvegarder avant. Ah, il va y avoir des trucs d'ouf sur internet, je vous le dis. Il fait Kogoro, bah oui. Ok, et là tu dois pouvoir fabriquer maintenant déjà. Donc c'est tout ça pour... Ah non, ah, il y a un truc à fabriquer ici.
Ok les gars, bon, je vais kiffer ce jeu. Je ferai peut-être des petites vidéos, ben, peut-être des sanctuaires un peu hardcore ou des petites astuces ou des petits tutos pour comprendre comment ça marche et tout. Mais waouh, ça promet, hein. Je kiffe tellement Zelda, tous les Zelda. Enfin, j'ai pas fait ceux de GameCube, c'est ceux que j'ai pas fait, apparemment, c'est très bien en plus. Mais Breath of the Wild, je crois que j'ai passé 250 heures de jeu dessus, enfin, laisse tomber. Et là, je pense que ça va être pareil. Ok les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle le petit commentaire, le petit like, le petit pouce bleu. Pour ceux-là à qui ça intéresserait de jouer sur PC avec l'émulateur, si vous galérez un peu, parce que la plupart des tutos ils sont en anglais, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez un petit tuto et je vous le ferai. Sur ce les gars, je vous souhaite longue vie, que la force soit avec vous. Peace!